Ici, Albert Reporter. Voilà, vous allez entendre ce fond. Toute la journée. All the time. Pourquoi vous faites ça? Bah, c'est bien d'être. Oh, purée, c'est cher ça. Salut! Non, je n'apprécie pas cette blague. Enemies. These bitches my enemies. Yes, why do you envy me? Alors les gars, aujourd'hui qu'est-ce que, en fait je vais vous expliquer. Nous sommes aujourd'hui à Miami Beach avec Nadia, ma cousine Nadia, que vous voyez là. J'ai loué une chambre dans un hôtel et je ne pensais absolument pas que ça ressemblerait à ça. Comment vous dire que nous étions joie, bonheur et gaieté à ce moment-là. L'hôtel est... magnifique, incroyable. Je n'ai pas les mots pour décrire cet hôtel, mais du coup j'ai décidé d'en faire une vidéo parce que... Faut que vous voyez ça de vos propres yeux, propres petits yeux. Tellement c'est beau, tellement c'est magnifique. J'ai hâte de partager ça avec vous quoi. Aujourd'hui qu'est-ce que nous allons faire? À 10h30 nous avons un cours de yoga dynamique avec un coach. Génial ça, par contre. La blague. Allez, on se retrouve après. Ok, bon, on est obligé de cacher le tout par le rideau parce que sinon vous allez voir la chambre. Nous, c'est on veut une surprise. Attendre qu'elle soit clean pour que vous puissiez la voir. Ouais. Alors la petite vue qui est comme ceci. On n'a pas vu sur la mer. Mais on s'en fiche parce que la chambre est somptueuse. Mais elle est ouf quand même. Elle est quand même très cool, je trouve. Il y a un petit pont là-bas avec des amoureux. Là, du coup, ce qu'on fait avec ma. Ce qu'on va faire avec ma. Ce qu'on va faire avec ma cousine, en fait, c'est qu'on attend une personne qui va venir nous débloquer le coffre-fort parce qu'une personne l'a bloqué. On ne sait pas qui. Vu que déjà tu confonds ta droite et ta gauche, je me dis peut-être que t'as confondu un chiffre. Mais je t'emmerde. La vie est belle. On nous retarde dans notre programme, hein. Ah oui, hein. Cette histoire de coffre. On s'est levé à 6h30 du matin en plus là. Je me suis levé à 3h30, j'ai fait pipi. Ah, c'est toi qui avais pas tiré la chasse. Par contre si. Ah non. Je voulais pas te réveiller. Ah, t'aurais pu. Donc nous avons fait exprès de sortir de l'hôtel pour pouvoir vous montrer l'hôtel dans les moindres recoins, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc... Du coup, nous allons tout vous montrer, vraiment. Tout d'abord, c'est le One Hotel, donc c'est un hôtel qui se veut... green. Et il y a des plantes vraiment partout. Hello. Hello. Morning. Par contre, t'as vu quand t'attends ton taxi et tout, c'est trop génial. Tu peux t'allonger, attendre confortablement. Non mais même la déco est géniale. Ouais, c'est vraiment un bout de bois en guise de fauteuil. Franchement, c'est hyper hyper joli. Donc tu peux prendre ton petit déjeuner ici. Ici, tu as une petite mare. C'est trop mignon, regardez. Il y a énormément de plantes. Mais oui, c'est pour ça que je te dis. Enfin bref. Et tous ces trucs là se trouvent devant l'hôtel qui ressemble à ça. Bon, il est très grand. Ici, c'est un café. Hola! Du coup, c'est une petite caravane qui nous sert du café. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le lobby. Lobby. Ah, regarde, il y a un plante. Oh, c'est trop joli. C'est quoi cette fleur? C'est quoi? Oh, elle perd les os. Nous allons vous montrer le lobby. C'est parti! Nul. Le lobby est terriblement magnifique, je tenais à vous le dire. Attends, moi je tiens juste à souvenir un truc, ça sent hyper bon. Ça, tout ça, oui il sent super bon en effet. Tout ça c'est fait en verdure. Mais attends, c'est de la vraie? Ah, je pensais que c'était de la fausse. Regardez comme il est, mais magnifique. Quand on est arrivé avec ma cousine, on s'est dit mais attends, mais si le lobby il ressemble à ça, on va être le reste de l'hôtel. Exactement. Du coup, je pense que vous vous posez actuellement cette question. Est-ce que vous vous posez cette question? Je le savais. C'est Dora l'exploratrice. Ah, c'est trop génial. As-tu vu qui se cachait dans le lobby? Eh oui, tu as raison. C'est bien lui. Là par exemple, si jamais vous avez envie de patienter, vous avez envie de justement chiller, vous attendez votre cum, voilà. Hop, petit rendez-vous, etc. Château d'Axe, la marque référence. Ici vous avez le bar qui est somptueux et que nous avons jamais vu. Et ce qui est super bien, ce que j'ai constaté hier, c'est que ici vous pouvez poser votre drink. Alors Nadia, démonstration en direct. Oh, mais je ne sais pas où poser mon verre et j'ai envie de m'asseoir. Youpi! Je peux poser mon verre à n'importe quel moment sur ma table. C'est bon de boire de l'air? C'est génial. Vous avez une boutique de plantes, je crois. Oh non, regarde! C'est des plantes dans des télés, quoi. C'est trop génial. C'est trop joli, hein. À chaque fois, vous avez des endroits où vous pouvez vous reposer. À chaque coin, à mon avis, ils se sont dit, bon, le coin est vide. On va le remplir. Bon, on va le remplir, allez. Il est 8h23.
Il y a un escalator. Bah attends, mais là encore, il y avait un coin qui était vide. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On met un bête. On met un bête de bouilloire et on met un canapé. Donc là, nous avons un escalator. Mais où va-t-il nous mener, à ton avis? Eh oui, pourquoi pas? Avec toi. Franchement, prendre la ligne E à chaque fois, c'est un hasard, ouais, ça me saoule. C'est quoi? C'est une galerie. Voilà, c'est une galerie d'art. Je crois qu'il y a des salles de conférence ici. Des salles de réunion, des trucs comme ça. Ah oui, exactement, ce sont des salles de conférence. Ouais. Ça, on dirait on est à la fac. Ah, et là, ça sent une nouvelle odeur. Ouais. Parce qu'on a mis ça en masse, on est deux gens, les trois. Vas-y, je me suis. W comme Will Smith. Bah. Ah, je suis déçue, tu vois. Ah, je suis déçue. Ah, je suis grave déçue. Donc ça, c'est ce qu'on a toujours rêvé d'avoir dans les lycées français. Comment ça marche, d'histoire? Attends que je te filme, là. Ouah. Qu'est-ce que ça fait de boire de l'eau? Ah, c'est génial. Je crois qu'on n'a pas le droit d'être là. On s'est rendu compte que les salles de conférence étaient... Ah non, mais c'est même pas des salles de conférence, c'est des salles pour accéder aux salles de conférence. Ah non, mais attends, je veux bien découvrir la chose. Mais c'est un truc de ouf. Voilà, voilà. En tout cas, si vous avez envie de faire des conférences à Miami, c'est là qu'il faut aller. Là, nous allons prendre l'ascenseur pour vous montrer le reste de l'hôtel. Sauf que l'hôtel est trop grand. Il est trop grand. Donc, nous avons 6 ascenseurs. Voilà. Maintenant, comment fonctionne un ascenseur? Qui va vous dire comment fonctionne l'ascenseur? C'est Bibi. Vous savez, quand on arrive dans un hôtel, on a une carte, un bip pour ouvrir les portes, la porte de l'hôtel, etc. Là, c'est assez spécial. On a des bouts de bois pour ouvrir la porte. Des pèses. Des pèses. Cette chose-là, c'est la carte de notre chambre. Je veux monter au 3e étage pour qu'on aille visiter enfin les piscines. Là, il nous dit d'aller dans l'ascenseur numéro B. Eh ben, c'est celui-là. Eh ben, nous allons dans l'ascenseur numéro B. Donc, nous sommes au 3e étage. Et en fait, si vous voulez, l'écran est comme ceci. Voilà, on va vous montrer là où les piscines. Donc voilà, nous sortons. Oh, la musique! J'ai l'impression que tu roules. C'est magnifique. Et voilà, il y avait un coin où ils savaient pas quoi faire. Ils ont mis... J'espère vraiment que vous vous régalez. Oh là là! Tout ça, c'est l'hôtel. Là, vous avez de quoi faire de la pétanque, vous reposer à côté d'un cactus ou de l'aloe vera et faire un ping-pong. Et ici, vous avez une première piscine qui est magnifico. Vous avez de quoi tout simplement prendre votre petit-déj ou prendre à manger un petit peu. Là, vous avez la piscine. Encore un endroit où se reposer et vous pouvez avoir les pieds dans le sable. Voilà, la piscine est face à la mer. Et vous avez un lit juste au bord de l'eau. Une question se pose actuellement. Quelle est ta question? Est-ce la seule piscine dans l'hôtel? As-tu la réponse? As-tu suivi nos snaps? Nous allons tout de suite le découvrir avec toi. Pour les personnes à mobilité réduite, pouvoir profiter de la piscine aussi. Donc ça, c'est génial. En France, on ne pense pas assez aux handicapés et aux personnes à mobilité réduite. Donc nous avons un jacuzzi. Il est génial, il est chaud. Oh putain, je sens que quand je vais revoir ces images quand je serai à Paris, je vais déprimer. La question que nous vous avons posée, c'est est-ce qu'il y a d'autres piscines? Eh bien, nous allons vous dire la réponse tout de suite. Autre chose magnifique, vous avez une petite cascade ici qui va tomber en bas. Elle descend là, la petite rivière. Et c'est vraiment magnifico. Vas-y, Jo. Vas-y. Jo, c'est. Eh bien, oui. Nous avons une piscine ici, longue. Bien joué et merci de nous avoir aidé à découvrir cette énigme. La piscine numéro 2. Je la trouve vraiment cool cette piscine, on l'a pas testée. Hein. Et ici, encore une fois, vous avez de quoi boire et manger et vous restaurer. D'ailleurs, Chéra Kiryansky et Nadia, petite soif. Que fait-elle? Petite 1. Elle remonte à l'hôtel pour prendre une bouteille d'eau. Petite 2. Elles vont boire l'eau de la piscine. Petite 3, elles se laissent mourir et déshydrater et sécher comme de vieilles chaussettes. 4, elles ont trouvé de l'eau à la piscine. En attendant, tu peux mettre un like à la vidéo. Hein. Je t'attends. Je t'attends. J'attends ton like. J'attends ton like. Like. Oui, tu avais raison. Oh, mais comme tu es. Nous avons une jarre. Regardez cette eau magnifique. Oh, mais ça rafraîchit, dis donc. To get you free, no gathering, no ring you down.
Prochaine question que nous allons donc nous poser, est-ce la dernière piscine? Y en a-t-il une autre? Tu as raison, nous allons les découvrir avec toi. C'est parti. Donc ici nous avons des transats, donc peut-être qu'il y a une autre piscine. Est-ce que vous avez une petite douche là? Est-ce qu'il y a une piscine? La piscine est magnifique. Tu te fais pas chier là. Surtout que y a-t-il une quatrième piscine? Mais t'es pas posé cette question. Oh, mais je vois des palmiers sur le toit. Est-ce un indice? On va le découvrir tout de suite. On dirait que c'est mon pouls. Docteur, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc toujours au rooftop, vous avez aussi un petit restaurant. C'est génial ici. Qui est très 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 joli. Regardez. Qu'est-ce que l'on voit? La piscine du toit avec des palmiers. C'est magnifique, franchement je n'ai pas de mots. Nous avons une vue sur la mer qui est assez extraordinaire. Et ici vous avez tout simplement cet endroit magnifique. The top of the... Là vous avez un petit endroit pour chiller. Voilà les gars, là nous sommes à l'étal du fitness. Et nous allons aller au Spartan Gym. On est parti. Ça fait trop pitié. Nous avons ici un salon de coiffure. Et donc du coup, ici nous avons... Là vous avez le spa. Là vous avez... Le gym. Ah, let me introduce you, je vous présente Chris de la salle de sport. Et c'est lui qui nous a montré toute la salle de sport hier. Ok, parfait. Il nous montrer où est-ce que c'est. Et Chris est très gentil. Chris the Knight. If you look right there, you see that where that black... Ah, okay. Thank you Chris. Chris the Knight. Quelle bouffe celle-là, purée. Moi j'ai bien donné la sueur dans l'eau. Je vais tirer ce tapis là. Nous allons faire du yoga ASMR. Je vais régler la caméra. Les gars, mes chaussettes sont trouées. Comment vous dire que c'est grave la honte? On sort du cours de yoga. Comment vous dire qu'on dirait qu'on a la tête du matin du réveil? Tellement ça nous a relaxé. On va vous montrer la salle de sport. Ce que vous pouvez constater, c'est que vous avez justement... Donc ici vous avez le tableau des classes. Que les cours avec des coachs sont gratuits, donc compris dans votre chambre. Et vous avez ça tout au long de la journée. Donc la salle de sport ressemble à ça. Elle est très jolie. Et très complète au-delà de ça. Vous avez un coin musculation, voilà. Des trucs à manger ici, ce qui est super. Vous avez des serviettes froides dans le frigo. Vous avez quoi Nadia? De l'eau aux agrumes. Et ici vous avez tout ce qui est... comment ça s'appelle déjà ça Nadia? Non, pas acrosport. Ici vous avez par exemple des cordes. J'aurais dû ramener grave mes gants de boxe parce que ici vous avez... je vous jure, après le yoga je perds tous mes mots. Vous avez même des mini planches d'escalade. Vous avez vraiment toutes les machines que vous voulez, vraiment. Des vélos et vous avez ici les marches pour faire justement les cuisses et les fesses, ce qui est génial. Un good kitchen, donc vous avez justement un espèce de restaurant où ils font des choses vegan et healthy. Juste après votre sport, vous vous posez ici. C'est juste en face de la piscine en plus, juste en face de la mer. Tu as gâché ma vidéo. Par contre, t'es relou parce que t'es en serviette sur l'écran. Et alors? Bah, c'est chiant. Pourquoi? Parce que je vais l'envoyer à ma belle-mère. Oupsie. T'as de la chance que j'ai des courbatures. Courbatures. Bon, en fait, j'ai la flemme de vous filmer un Get Ready With Me. Donc, on se retrouve après. Posé, je suis sous Jack dans mon bain. Oui, vous savez pas pourquoi j'ai une perruque, mais je sais pas non plus. Bref, il est actuellement 7h sur ma montre et du coup je vais vous faire le room tour, la visite de la chambre. Donc je vais toquer ma cousine à l'intérieur. Bonjour. À la maison. Oh wow. Alors,
meubles de cette maison. C'est génial. Regarde, il est dans la bouche. Oh sorry. Là, ici, dans cette chambre, nous avons Nadia. Tu vas être la présentatrice. Tu vas être la présentatrice, ça va être mieux. Ok, vas-y. Ici, vous avez un magnifique frigo. Un frigo qui s'ouvre. Et qui se ferme. Et qui se ferme. Ouh, j'ai froid. Ouh, j'ai chaud. Vous avez aussi, du coup, une cuisine équipée d'un tête-aux-pieds, la baignoire, où on peut se laver avec le tout nouveau Palmolive, ça fait le focus. Et vous avez moins 20% avec le code promo PALMO20. Donc on est très heureux parce que du coup on s'attendait pas du tout à avoir une cuisine, on s'attendait juste à avoir une chambre. En fait on a une chambre énorme en fait. Énorme. Et magnifique. La salle de bain qui est géniale. Les toilettes étaient bouchées. Et ici vous avez la douche avec les produits que j'utilise en ce moment. Mais nous, on était choqués par ce grand espace. Nous avons tout cet espace. Alors la chambre se présente comme ceci, regardez, l'espace est super grand. C'est abusé comment c'est grand, regardez. Abusé. Abusé la grandeur de l'espace, on peut faire n'importe quoi. Je viens de rentrer de Miami, du coup je filme avec mon iPhone. Bien, j'ai kiffé mon voyage. Moi et ma cousine on s'est éclaté dans l'hôtel, sauf que c'était Art Basel, que moi et ma cousine on était vraiment allés pour se reposer et que dans notre hôtel il y avait que des gens qui étaient hyper chic. Et nous tous les jours on était en pyjama dans l'hôtel pour aller prendre notre Uber Eats McDonald's en bas au lobby. Et c'était hilarant, je vous mettrai des petits snaps qu'on a fait. Les gars, j'adore ma vie. Tout le monde est en super mode tonight's gonna be the night. Nous voilà en pyjama. J'adore ma vie. On a food. 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 On s'en fout de vos soirées. En tout cas, si t'as aimé la vidéo et si tu veux d'autres vidéos comme ça, surtout n'hésite pas à mettre un pouce bleu. J'ai vraiment kiffé le faire et ça me pousserait encore plus à le faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. De toute façon, je te mettrai mon image juste là. Et si tu cliques depuis ton téléphone, bah tu peux t'abonner directement. Pour ce, comme d'hab, je vous aime fort et je vous fais de gros bisous. Bisous!